Bienvenue dans cette série de questions et réponses sur la planification levain. Pourquoi j'ai dit planification sur levain et non pas planification au levain? Tout simplement parce que c'est l'appellation correcte en boulangerie. L'expression planification au levain est une expression du langage courant. Deuxième question, pourquoi faire de la planification sur levain plutôt que la planification sur le levure? Le levain rend les pains plus savoureux, plus digestes et plus nutritifs que les pains à la levure. Les pains au levain se conservent plus longtemps, généralement une semaine, à la température de la pièce dans un sac Ziploc. Les pains au levain contiennent moins de sucre fermentissible et n'ont pas tendance à faire gonfler le ventre, contrairement aux pains à la levure. Il faut savoir que la levure sèche provient d'une souche de la famille des levures de bière. Quels sont les inconvénients de la planification sur levain? Le temps total de fermentation de la planification au levain est deux fois plus long que celui d'un pain à la levure. Le levain chef doit être rafraîchi au moins une fois avant de faire du pain. La planification du levain demande donc de la planification. Ça a l'air tellement compliqué de faire du pain au levain. Comment surmonter ma peur d'oublier une étape? Outre les rafraîchissements du levain, la planification sur levain n'est pas plus compliquée que la planification sur levure. Les étapes sont en fait les mêmes. Pour surmonter votre peur d'oublier une étape, imprimez mon article sur ce sujet et affichez-le dans la cuisine.